Je crois qu'on nous entend. Ça te dérange si j'enlève le retour ? Non, du coup. Merci. Je capte bien avec, bien sans, y'a pas de soucis. Donc on n'aura pas le son du jeu par contre, désolé. On n'aura pas le son du jeu, mais pas. Bonsoir à tous. Attends, je vais faire différemment. Je vais faire ça. Oh, je fais peur hein, sur les dernières, c'est normal, on sait de la couverture, on est déjà deux sur chaque. On a 2-3 avantages, c'est des chaos, ça se passe bien. On va bien faire un peu comme ça parce qu'on aurait pu être un peu en désarroi qui était de marque, mais ça se passe tranquillement. On a esquivé le titre, heureusement. On sort bien. Décalage sur le retour. Pas grave, ok. Ok, bon, là, petit lâcheur qui se passe bien. On peut peut-être faire des trucs avec un air, avec un donner ici. On a la touche qui traîne, on va pas la ramasser. On continue le pressure ici, le bon forward, le deuxième qui permet de renvoyer. Le Benetra qui va passer loin et on va retenter ce donner ici qui passe lui non plus pas très loin. Et on continue le sledge trap. Pour l'instant, on est un petit peu bloqué, on n'arrive pas à sortir. On voudrait chercher un petit peu center stage, on voudrait reset neutral, mais c'est compliqué pour l'ami Chaos. On continue de se faire pressure, le forward air qui passe pas loin, le donner aussi qui vient pressure ici. Et on a encore du mal. On a, au moins, on a retrouvé un petit peu de terrain. On est sur le sol et c'est déjà un avantage, mais on a beaucoup de pourcent et ça va peut-être coûter cher. On a peut-être bientôt la stock qui va sortir. Et oh, sûrement là. C'est bien, oui. Ah non. Merci TC qui nous sauve un petit peu la mise là-dessus. Par contre, la technique qui peut être vilaine. Heureusement, le laser on va pas trouver. On trouve un bon air là. Par contre, ça fait désastreux. On a sauté. On s'est fait avoir. Très bien vu de la part de Chaos qui vient chercher un kill très early là-dessus. Et ça lui donne beaucoup d'air parce que on était vraiment dans la panade. Et en plus, on va pouvoir trouver une petite conversion là off-ledge. Hein, ce side qui était un peu téléphoné. Et ça va coûter 50% du côté du robot Bootleggers. On se passe de corner, on continue de prendre des pourcents, on n'arrive pas trop à trouver la face, c'est un peu dommage, le laser qui passe juste là-dessus. On peut le laisser pas tranquillement, le laser qui va pas passer. Le laser qui va suffire, mais enfin, il a touché. Aïe aïe aïe. C'est bon, on a sauté dans le bureau. Très bien vu, la couverture d'options du côté de Marc. Et là, attention, détecter, ça fait deux. Oh là là, on se fait très peur, là ça peut être dangereux. Ça aura bon quand on arrive à mixer son timing, à pas se faire avoir sur la Rico. Finaire, tranquillement. Bon. Mais c'est des petits mix-up du Chaos, on a raison, hein. on n'a pas envie de mourir à 40 sur un dernier un petit peu désastreux. Et ça peut faire très très mal cette phase de gueule, on part très très bien sur la plateforme. Deuxième EPR en plus, les lasers, finalement, on essaie de trouver des options. Et là au moins on trouve un petit peu d'avantage de côté Chaos. On est rapide bientôt marqué le but, on va trouver ce grab ici, le Burry, on va rien trouver derrière. On continue d'essayer de trouver quelque chose, là ça va être Dunstro peut-être backer, ce que ça pourrait tuer. On va airdodge, tout va bien, c'était pas trop. Mais on est quand même bloqué au corner, on va trouver ici, on va partir passer avec Sonner. Forward air qui envoie offstage, on arrive sur le terrain. Et là ça va être la punish, est-ce qu'on va trouver le kill, upper. C'est bien DI, on va finir juste dans le coin. Mais c'est bon pour l'instant, malheureusement le contre est un petit peu trop tard. Et du coup on se prend la toupie, on va essayer de revenir et c'est chose faite. Aïe, un petit peu compliqué, on s'est un petit peu emmêlé le passé sur la punish, et là bas, ça déconnecte, la plot armor de Chaos qui est réelle, on passe beaucoup de temps au stage et on arrive à survivre malgré tout, l'explosive flame qui permettra de trail un petit peu cette situation, et là on essaye de trouver ce persa shieldpox, c'est bien vu, très bien, je vais malheureusement pas conclure cette game parce qu'il faut que je cherche le son qui me rend fou, bougez pas. Tout à fait. Comment je fais ça Chaos bon. Il y avait déjà un. Ah oui, il y avait déjà un numéro, pardon. Déjà un 0, c'est normal. Je crois qu'on est bon niveau son. Ah, voilà. C'est bien plus agréable. Ah, c'était bien plus simple en effet, fait. Ça remonte. Parce qu'à un moment j'ai entendu le son du kill, ouais. Mais genre une minute après le kill, c'était terrible. C'est des gens dans le chat aussi, n'hésitez pas à nous dire si niveau son c'est bon. Puis voilà quoi. C'est exactement 1-1. Cette troisième game sur quel point? Genre ça? Ah! Putain, bien vu! Pour cette troisième game, on va partir de la chaîne, plus pas d'avantage de Chaos, hein, le bon air en hiver, ça qui donc déjà des 40. Bon, qu'est-ce que va jouer? On s'est un petit peu senti tout petit Chaos, pas plus. Heureusement, la pro qui va pas suffire, le laser qui va pas passer, malheureusement, deuxième. Pour la route et on manque de côté. Ça va être voilà, ça va être un petit peu en long range comme ça, c'est un peu la bataille de projectile. Et j'ai rien de perdre à ce petit jeu là, ça tape en désavantage. On n'a pas peur d'envoyer sur le backer, ça vient un dodge heureusement, ça nous sauve un peu la mise. Le dodge qui va pas passer, celui-là non plus. J'ai un petit peu peur, et par contre on n'a pas peur de venir les autres, ça met des très gros backers du côté de Marc. On n'a pas peur de dash grab non plus et
va passer. Berth, ça va suffire. Ouais. Il était pas optimal. Je sais pas s'il aurait pu survivre honnêtement. Peut-être avec une dernière vie en même temps, mais c'est rare de la slide ce moment aussi très très bien. Beaucoup de contrôle de la part de, du joueur d'Europe parce qu'il peut un peu drift, il peut jouer aussi un peu avec personnaliser l'adverse, etc. Donc un petit peu compliqué maintenant, il faut juste aller chercher cette deux, c'est première sac côté chaos, pendant que là on est un petit peu bloqué dans le corner, on va se faire prêcher sur le ledge trap. Hop là, et en plus il y a moins chaud de la mer. La game sans le roussi, cette game 3 pour le petit père le petit père chaos. Le Saturne de foot très bien, merci pour l'info. Tac. Ah. Déjà un giro, hein, grave, donc, une petite conversion là, on essaye un petit frame trap, aussi une petite rideau laser, ça n'a pas suffi, on essaie de garder un petit peu le tempo et garder le centre du terrain et aussi juste rester safe. On a deux stocks d'avance, on n'a pas forcément d'intérêt à avancer, on va faire quand même évidemment, hein, on va quand même mettre de la pressure, mais on peut se permettre de jouer un petit peu de chill, pas assez chill visiblement, gros down smash en punish, on a bien raison. Et on vient trouver cette première toque, ça donne un peu d'air. Ça fait du bien, après malheureusement là on était sur une plateforme et tout maintenant face à Rob, c'est jamais marrant. On a plus de saut ici, on met une petite pressure avec la toupie. Peut-être deuxième séance de ledge trap qui peut être intéressante pour le petit Permark. Et on arrive à trouver la réponse ici, on va trouver cette grappe. Rambo offstage, le jeu, enfin beaucoup de la partie, beaucoup des jeux de chaos qui se trouvent vraiment dans le corner depuis tout à l'heure. On a beaucoup de mal à sortir. Très très bon mix-up ici, mais qui va être Veski se donner qui aurait été sûrement fatal. On va en plus maintenant commencer avec la petite phase d'avantage de Palutena. On en tire ici avec ce père, ce petit pardon, et malheureusement on va pas trouver le père qui aurait été bien intéressant. Malheureusement, va falloir faire un boulot monumental parce qu'on a un bon 70% de retard sur notre dernière stock alors qu'on en a deux. Et le backer ici qui est létal. On va chercher le 2 hein, côté bootleggers. Bien vu. En même temps, la game, elle sentait mauvais. Aïe aïe aïe, on s'est fait allumer les premières dizaines de secondes. Du côté de chaos, là, on a eu beaucoup de mal à survivre. On fait un peu laisser distancer quoi, très rapidement on a réussi à trouver une stock malgré tout, mais en effet on a beaucoup souffert de ce début de game et c'était très très difficile à remonter. Donc voilà, on clôt la game côté Marc, on s'en sort très très bien. Et on va voir ce qu'on nous propose durant cette game 4, on va sur Kalos. Kalos Bombix, hein, comme on l'aime à l'appeler. Là ça va camper, attention. On n'est pas là pour interagir clairement. En plus après c'est quand même très 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 bonne map pour Palu en général, hein, la plateforme qui m'a placé pour pressure, pour se positionner pour un potentiel edge guard, des choses comme ça. Ouais, les tech chase qui peuvent être très intéressantes à 80-90 sur une down throw, ce genre de petites choses qui peuvent servir aussi à Chaos à trouver des petits stocks. Et là en plus c'est reset, voilà, on n'a pas trouvé le reset sur le Neosium Nair, c'est dommage parce qu'on aurait pu le lead à beaucoup de 2%. Et en plus on va se faire reverse. Attention ici, on arrive à passer au travers du dernier. Heureusement, la salade de down tip qui va fonctionner, qui va mettre quelques pourcents. Et attention, encore une fois, on se fait avoir sur ce dernier. La couverture de Marquis qui fonctionne bien. Hein. On a le timing, on le met au cas où et ça fonctionne bien. On trouve une première stock, déjà 48%. Ça, comme tu disais, comme la game d'avant, ça sent mauvais. Hein. Ce début de game, on a perdu une première stock en 30%. Là, on a seulement 48% qui sont trouvés. C'est dommage, le Lantos qui va pas passer, qu'on trouve quand même Nerbacker. Des petits pourcents et on essaye, voilà, on a raison d'essayer. Par contre, cette fine, oh là là, ça aurait pu être terminé là-dessus. Ouais. Heureusement, on s'en sort à bon compte. La tech chase, peut-être gros backer, on l'a senti que ça n'allait pas toucher ici. Est-ce qu'on va réussir à toucher? Ok, on a réussi à pas toucher. C'est encore une fois au travers de ce énorme down air et à réussir à convertir sa vitesse stock, mais on est toujours dans le corner et on a du mal à en sortir là-dessus. Hein. C'est peut-être la fin là-dessus. Il y a encore un très bon mix-up, mais ouais, on est déjà plutôt. Mais le jeu de chaos qui se passe majoritairement dehors, et c'est un petit peu long. En fait, t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Tu fais une seule erreur de timing sur ton FB, c'est vraiment létal, comme on l'a vu plusieurs fois. C'est un petit peu compliqué. Maintenant, on a un peu. Voilà, c'est parti au ledge. Il a pas voulu get up attack sur ce up smash. En même temps, c'était si rapide, hein. Il y avait vraiment pas le temps de réagir ici, donc c'est un petit peu compliqué pour jouer à Bootleggers. Mais c'est pas grave, on est bien. Oh, très très bien vu le combo du piece qui permet de ramener sur un air. Malheureusement, c'est que 18%, donc c'est pas non plus la dinguerie. Mais c'est déjà pas mal. On va essayer de pressure un petit peu le donner pareil, hein, qui n'a vraiment aucun effet face à un Rob qui est le Rico de Jobar. Et maintenant, on est à nouveau dans ce corner qui nous a été très très compliqué tout au long de la game. On va essayer de revenir et le donner ici, qui passe pas loin, mais encore une fois, c'est un mix-up qui est très très bien utile. Potentiellement, peut-être des réponses à trouver côté Marc qui pourraient être intéressant d'être un CLB, quelque chose comme ça qui permettrait de trouver des stocks en edge guard. Ouais, non, on s'en sort assez bien hein, sur les mix-up de Rico de Petit Chaos. Évidemment, on prend quelques dernières, mais en même temps, bah, quand on a le AP de Palu contre Rob, forcément, on va finir par s'en prendre à des moments. Mais on arrive quand même à survivre hein, malgré tout. On va encore une fois manger snare, et là, encore une fois, c'est une phase de corner qui est à rallonge. Là, on va trouver up smash, c'est fini. 54%, on a la même avance que sur la première stock, et là, c'est possiblement la dernière stock de Chaos dans ce set. On va trouver déjà une petite phase d'avantage, 20% déjà.
attention là, ça fait très peur ces phases là parce qu'on commence déjà dans le corner alors qu'on a, on a plus qu'une stock et seulement 20%. Et on vient se corner soi-même, en plus on n'a pas trop envie d'en sortir, hein. On veut essayer de jouer aussi cette plateforme. Mais le charge de plateforme de Rob il fait vraiment très peur, donc on n'a pas forcément énormément d'intérêt à rester là. Pas de grab qui va passer sur cette petite flame, on va trouver un grab par contre du côté de Chaos. Donne un petit peu d'air et peut-être une passe d'edge guard ou de ledge trap. On va utiliser Rico très très high de marque, ça fonctionnera. On s'en sort à bon compte et on récupère tranquillement center stage, on reset le neutral. Et ça, malheureusement, voilà, le smash qui va passer, on trouve un back air. Donc voilà, c'est le moment de concrétiser pour Chaos. Parce que là, ça peut être la fin de sa stock ici sur cette phase notamment. Et là, le petit corner fraîcheur qui est encore galère, hein. À chaque fois on le dit, à chaque fois on le voit. C'est pas facile cette situation là et on va essayer de revenir une nouvelle fois. Le donner qui passe pas, le ledge trap qui fait assez peur. On commit pas, hein, côté Marc, on est tranquillement avec Stoupi, avec nos projectiles ici le side, mais qui est en train de trouver ce grab directement. On va maintenant peut-être avoir une chance de marquer le but, de marquer cette stock. Le nerf sur l'haricot, il est trouvé, faut maintenant réitérer l'edge guard. On va passer par en haut, on va essayer peut-être de trouver un upper quelque chose. Il est très très bien vu, on a réussi à payer le landing ici, c'est très très intelligent de la part de Chaos. Et on a cette fois-ci une mix-up avec un upper directement, mais ça n'a pas marché. Par contre, la backflow, elle ne laissera aucune chance. 83%, ça se remonte, ça peut être compliqué. On n'a pas le choix parce qu'on est dos au mur, c'est la dernière game potentielle du winner side de Chaos. Et là, on se prend le petit dump tilt training, tout grab, tout quelque chose, up tilt, upper, il va falloir bien dire mon pote, je crois que c'est la mauvaise, c'est ciao, 3-1, voilà. Je pense que le set il se caractérise beaucoup par le jeu de Chaos qui est très situé dans le corner, ouais. Et malheureusement en fait face à un Rob qui a une corner pressure de Jobar, le nerf est trop peut être compliqué à gérer parce qu'il y a une grosse hitbox, donc tu veux roll-in pour sortir ça marche pas, tu sautes, ça tu vas te faire catch, le fer qui a un très bon outil qui permet bah aussi, enfin qui va très vite, qui peut être un carotte.